Complètement, complètement. Très bonne question. Oui, la réponse est oui. C'est clairement pratico-pratique. Donc, je vais vous guider à travers, d'ailleurs, restez jusqu'à la fin du webinaire, on aura une pratique respiratoire, une première expérience d'apnée. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est un des bons moyens de dépasser, vous allez voir, ces croyances limitantes. C'est aussi une des grandes vertus hein, de l'hormèse, encore une fois, de dépasser ses croyances limitantes. Et vous savez, ce que j'aime à dire dans mes stages, c'est que au-delà de nos peurs, qu'est-ce qu'il y a, mes amis? Eh bien, il y a notre liberté. Au-delà de nos peurs, quand on est capable d'aller les voir en face, et l'hormèse nous aide à ça, progressivement, c'est adapté, c'est progressif, c'est sécuritaire, mais ça nous permet d'aller visiter, d'être enclin à visiter nos peurs, et vous allez voir que derrière, on découvre nos libertés. Donc oui, cette formation, elle est vraiment pratico-pratique. Il y aura des protocoles précis pour vous guider à travers l'apnée. Il y aura des conseils précis pour comment mettre en place le jeûne dans sa vie quand on n'a jamais expérimenté ou qu'on a déjà expérimenté, mais comment on le met en place de façon safe, sécuritaire et progressif dans sa vie. Et puis, pareil pour l'exposition au froid, comment on fait concrètement quand on est frileux, quand on a un syndrome de Raynaud pour s'exposer au froid, ou comment on fait quand on est déjà aguerri pour augmenter, pour aller se challenger un petit peu plus. Encore une fois, toujours, ça sera toujours dans le respect de votre capacité adaptative du moment, les amis. Toujours dans le respect de votre capacité adaptative du moment. Parce que le but de cette formation, c'est de réaugmenter votre capacité adaptative, donc de vous faire rajeunir votre âge, l'âge que vous ressentez, votre âge biologique. Ça, c'est vraiment important.